très heureux d'être là ce soir, mais avant de pouvoir poursuivre, j'aimerais quand même honorer ce grand Dieu qui m'a donné ce privilège ce soir. Vous savez, cette semaine a été une semaine difficile dans tous les degrés, mais j'avais dit à Dieu, Satan, tiens tort, tiens panthère, parce que moi, ça m'a dit de septembre, Dieu m'a tenu ici de vous pour parler la parole du Seigneur. Et je suis là. Amen. En commençant, j'aimerais quand même honorer mon père spirituel qui n'est pas là aujourd'hui. Mais cet homme, je l'aime. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Si vous savez pourquoi je pleure, c'est parce qu'il a pris le temps de me bâtir, de faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Moi qui étais un fils religieux, je suis venu devenir un fils qui enseigne les droits chemins du Père. J'aimerais vraiment, il n'est pas là, mais qu'on acclame pour l'apôtre Léon Kabebo. Acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le. Il n'est pas là, mais il est représenté par ses messagers, les membres de la communauté La Vie Comblée qui sont là. J'aimerais qu'ils se mettent quand même debout quand même. Merci beaucoup. Et en second lieu, permettez-moi de le faire. L'année passée, je l'ai fait. Mais cette année, elle m'a encore prouvé qu'elle mérite l'honneur. Vous savez, la Bible dit honorer faux pas. J'aimerais. Vous savez, le nom, comme j'ai toujours dit, calcium que j'ai, ça veut dire n'aie pas honte de toi, mais sois fier de la personne que tu es. Et ce nom-là, je l'ai reçu au travers d'une personne qui m'a porté pendant 9 mois. Bonsoir frère Masson. Oui, bonsoir ma sœur. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes très ravis à Romona Awana, événement au Christ en nous l'espérance de la gloire. Il y a frère Nabiso Emmanuel Fangoulou, ou assisté déjà au Monyango Nengenin. En tout cas, ça, événement au sein de la Sadiman, nous voulons que Bissoba Nanzambe soit parti par un milieu. Parce que l'activité, ça ne vient pas tous les jours. Et parce que moi, je suis parmi Batoyo, Bazo encouragé par Msala Boué. Et souvent, nous avons un ambassadeur de tout le pays, événement, émission, Nathan Amso Adoration, à la montagne de l'éternel. On a parlé sur cette journée. Vraiment, la journée a été bien. Pour réveiller vraiment mémoire, il y a jeunesse, il y a Batonanzambe, vraiment Christ, c'est un expérience de la gloire. Et ça, vraiment, très moment où il peut être singulier, vraiment, Bamarabou et Sema. Surtout, à Wanapoto, et Zosan Abiso Mingi. Mais tant que hier, vraiment, en tout cas, vraiment, il faut tous à la peine si ma pour nous motiver, ma camarade, ma petite tango et que la peine musique vraiment. Gloire à Dieu. Merci frère Merson, que Dieu vous bénisse. Merci, on ensemble. Amen. Prenons le livre de Genèse chapitre 5, 21-24. You are a femme. Alléluia, you are half. L'Éternel dit
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen, amen. Acclamons la parole et assurons-nous par la grâce de Dieu. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman, je te sienne. Nous étions ensemble à l'événement Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pouvez-vous nous dire ce que vous en avez pensé? Je bénis le Seigneur pour cet événement et je pense que c'est vraiment une initiative très, très importante que nous devons et avons le devoir de soutenir. Vous savez, le Seigneur a inspiré au frère Emmanuel Fangoulou ce thème qui est vraiment un thème qui nous rappelle, qui nous ramène au droit chemin, qui nous parle de la repentance, qui nous parle de la nouvelle naissance, qui nous conduit aussi dans la sanctification. Ce sont des messages que nous sommes appelés à divulguer ou à vulgariser dans notre génération. Vous savez, l'évangile d'aujourd'hui est tellement délavé qu'on ne retrouve plus les substances qu'il faut dans le message. Donc, pour vrai dire, on n'a plus de message, mais on a des massages. Oh là là. Alors, nous voulons des tels messages pour que les enfants de Dieu puissent savoir avoir un moment d'arrêt, un moment de faire un bilan et de réaliser que l'époux est en train de revenir. Nous devons nous préparer. Amen. J'ai été moi-même béni. Je bénis le Seigneur pour les frères Fangoulou et j'encourage aux jeunes. Je fais un appel de manière générale aux jeunes qui nous écoutent. Quand ils entendent des moments pareils, qu'ils viennent. Il n'y a pas simplement les danses qui nous intéressent. Lorsqu'on parle des danses, lorsqu'on parle des fables, nous voyons des gens bouger, nous voyons la cité vibrer. C'est mais c'est lorsqu'il y a un message qui touche le fond, le message qui fait ramener les gens, qui fait raviver notre foi, les gens ne viennent pas. Nous devons cesser ce genre de choses. Jésus-Christ est en train de rentrer. Soyons prêts, parce que l'enlèvement, ça sera d'un moment à l'autre. Ça ne va plus tarder. Préparons-nous à la rencontre avec notre père. Amen. Merci beaucoup, Papa Prosper. Amen. Est-ce que le Seigneur te bénisse. Amen.